moi une blouse, s'il vous plaît. Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça, ça a été lavé, c'est des taches propres. Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients. 18? Vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Attention, je vais piquer. Alors, cette première semaine. Je crois que je vais pas mal assurer. Voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences. Tu connais rien pour l'instant. Quand tu sais pas, tu demandes. Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », eh ben le mec s'allonge sur le dos direct. Ouais, mais si tu tues un mec, qui c'est qui paye alors? T'es tranquille toi, ton chef c'est ton père. Je crois que t'as le droit à 5 décès par an. Quoi. Et vous buviez combien par jour? Ben, les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. T'as affaire à des vrais patients, à des vrais gens, tu t'occupes d'eux vraiment, t'as une relation avec eux. Laissez-moi! Ta gueule, toi, salope! Ta gueule! Vous savez, la douleur, c'est le meilleur système d'alarme, mais chez votre mari, à cause de l'alcool, l'alarme fonctionnait mal. C'est toi qui avais monsieur Lemoyne hier soir? Oui, il y a un problème. Il est décédé. Mais je trouve pas le CG, du coup je me demande. T'as qu'à fouiller dans les autres dossiers, je sais pas, il y est sûrement. Le problème, c'est que je l'ai déjà fait, ça, de fouiller dans les autres dossiers, tu vois? Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible, quoi. Un métier, médecin. Une espèce de malédiction. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Non, sur le ventre. Hein? Enfin, pas sur le ventre, mais sur le dos, de l'autre côté, quoi.